matin, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Là, on est jeudi. Il est genre 7h30. Exactement, il est 7h29. Puis, aujourd'hui, j'ai mon rendez-vous de suivi chez le médecin. Quoi? T'as trouvé un sac? Merci. Ouais, c'est ça. J'ai mon rendez-vous de suivi chez le médecin, mais c'est pas mal tout ce qui va englober ma journée. Mais je me suis dit que j'allais vous parler un peu aujourd'hui. Parce que, ben là, hier, ben, v'là, avant hier, je sais plus quand, en tout cas, v'là quelques jours, j'ai commencé à faire un peu la liste des trucs que j'allais avoir besoin pour la chambre de Laurent. Et là, je dis avoir besoin, mais c'est bien avoir besoin et ce que je désire avoir, là, tu sais, je veux dire, genre que le tricotin avec son nom, c'est pas nécessaire, mais j'en veux un. Fait que... c'est ça, je vais le faire faire à la même place que Karine a fait faire le sien. Puis, parce que j'avais trouvé une autre compagnie qui le faisait un petit peu moins cher. Mais comme, c'est vraiment moins beau, genre. C'est vraiment niaiseux à dire, mais c'était vraiment moins beau que ce que la fille de Tricoticota a fait. Fait qu'en tout cas, fait que je vais commander ça. Puis, dans le fond, hier, c'est parce que, je parle de ça parce que moi et ma soeur, on a eu le plus gros struggle de notre vie. Dans le fond, je suis à la recherche d'un tapis à langer pour ma... Ah là, elle est plus là, là, mais en tout cas, pour mon... Tu sais, pour changer les fesses de bébé, dans le fond. C'est juste que celui que j'avais pour Jackson est bleu marin, OK? Puis moi, ben la chambre de Laurent va être dans les teintes de jaune, gris et noir, genre, OK? Ou jaune, gris et blanc, j'hésite encore, mais en tout cas, à voir. Fait que... C'est ça. Fait que là, dans le fond... Je suis à la recherche d'un tapis à langer jaune pour essayer, parce que je ne peinture aucun mur. Fait que c'est juste dans des points accents que je veux mettre du jaune. Comme là, à date, ben, j'ai mon drap contour qui va être jaune, que j'ai trouvé chez Clément. Ben, je ne l'ai pas encore acheté, mais je sais quel je vais prendre. Puis ben, moi, je me fiais sur le matelas, sur le drap contour, dans le fond. Puis le drap contour, ben, c'est jaune or. Fait que c'est comme un genre de jaune moutarde un peu. Pis, ben, naturellement, je trouvais rien de ça. C'était full à la mode, genre, là, 2 ans, le jaune de moutarde. Fait que là, ben, là, présentement, il n'y a plus rien, jaune de moutarde. Pis, comme la tendance est au très neutre, gris, blanc et patati patata, ben, c'est rien que ça que je trouve. Mais là, ma soeur m'a donné une idée de génie. Elle m'a dit, ben, achète 2 draps contours. Elle dit, pis, demande à grand-maman qu'elle te fasse un drap, une housse de tabac à langer avec. Fait que je suis genre, you are a genius! Fait que c'est ça que je vais faire. Mais là, ma grand-mère est en voyage. Là. On lui a tout dit qu'elle allait nous faire ça dans son dos. Mais dans le fond, elle revient dimanche, puis je vais l'appeler. Puis je vais lui demander si elle peut me le faire. Ma soeur a dit, c'est sûr qu'elle va te dire oui. Genre, fait que pense pas qu'elle va te dire non. Là. C'est sûr qu'elle va te dire oui. Mais tu sais, amène-les vite. Genre, parce que j'y vais. Pour Pâques, là, c'est juste qu'encore une fois, je sais pas si je vais le samedi ou le dimanche, là, on sait pas encore la date. Parce que ma grand-mère, elle a comme dit ça à ma soeur la veille qu'elle parte, fait que on a comme pas eu de nouvelles depuis, tu sais. Fait que, en tout cas, ma soeur m'a dit, tu sais, si t'as ça en main à Pâques, ben elle va te faire ça comme dans la semaine ou dans l'autre semaine d'après, puis je vais te les renvoyer par la poste, puis où genre on se verra, puis tu sais, je t'y redonnerai. Parce que sinon, ben, ma grand-mère va commencer à déménager au camping et blablabla. Puis là, ben, ça va aller comme juste en juin. Puis, c'est ça. T'sais, puis comme moi, je veux faire la chambre en mai, ben, ça serait utile que je l'aille avant. Fait que voilà. Ouais, fait que, en tout cas, c'est vraiment la grosse affaire. Fait que dans le fond, techniquement, là, la housse de tabac à langer, ça va être comme la même housse que le drap contour, mais il est juste jaune uni, là. J'ai même pas réussi à trouver rien avec des motifs dessus, là. C'est débile, là. Je trouve rien. J'ai fait tellement de sites, là. Genre Walmart, Clément, Babies R Us, Beau Bébé. J'ai été voir sur le site de Perlin Pimpin. C'est juste que Perlin Pimpin livre pas au Québec. J'étais comme... C'est parce que c'est disponible dans plein de magasins. Puis là, mettons, je l'ai trouvé, ma housse que je voulais à la base. Je l'ai trouvé sur le site de Clément. Mais les Cléments proches de chez nous l'ont pas. Fait que, genre, ils sortaient comme les 5 Cléments les plus proches de chez nous. Puis les 5 l'ont pas. Puis après ça, je me suis dit, ah, ben, je pourrais le prendre au lieu de jaune, je vais le prendre noir. Ils l'ont pas plus. Fait qu'en tout cas...
Fait que c'est ça, puis quoi d'autre? Ben c'est ça là, puis on a décidé, j'avais choisi un meuble à la base de chambre, mais parce que je le trouvais comme super beau, il était déjà blanc avec des poignées noires, il était super beau. Puis Jay trouve ça, ben lui trouve ça cher, moi je trouve ça bien abordable, c'est un meuble qui est 250$ chez Ikea, mais Jay trouve ça payé, il trouve que c'est payé cher, j'étais comme bon, ok. Puis là ben, j'avais vu le meuble en, tout en bois là, dans le fond de chez Ikea que tu peux comme peindre là, puis qui est comme déjà brut, tu fais juste le peinturer. Puis dans le fond, il est comme 180, je pense, au lieu de 250 que l'autre valait. Puis ben on va le peinturer nous-mêmes. Dans le fond, on va faire ça. Puis c'est parce que moi, je doutais parce qu'en magasin, je trouvais qu'il n'y avait pas de l'air profond. Mais il fait exactement la profondeur de mon tapis à langer. Fait que techniquement, il est correct. Fait que voilà! Ouais, fait que c'est la grosse affaire. Là, on commence à regarder ça. Jay s'est mis avec moi aussi pour regarder ça. Pis il était comme gag, parce que moi je veux tout le temps payer comme le moins cher que je peux là, que je veux avoir de quoi que j'aime mais pour le moins cher possible. Pis il était comme ok Gab, le paye-le 40$, paye-le ici, paye-le ça ici. Parce que mettons moi un tapis de table à langer, payer 40$ pour ça, je trouve ça cher là. Pis c'est même pas le, t'sais ça c'est même pas le tapis, c'est juste la housse, t'sais. Le tapis je l'ai. Pis tant qu'à ça, ben tant qu'à payer 40$, ben, je vais juste acheter un nouveau tapis genre noir mettons. En tout cas. Fait que bref, ça fait longtemps que je vous parle, j'ai de la jasette quand ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué. Donc, pour pas que le vlog dure genre 1000 ans, je vais arrêter de vous parler tout de suite. Puis on va se reparler tantôt. Fait que moi, je vous souhaite une belle journée. Puis à plus tard! Salut, il est 10h20. J'ai... ben pas j'ai, là, mais vers 9h40, j'allais coucher Jackson. Sa sieste, je vais s'ouvrir mon store, je l'ai fermé ce matin. Mon Dieu. Juste que je remonte d'en bas. Je suis partie de brosser le lavage. Puis je vais surmonter du linge pour aller dans la douche avant mon rendez-vous. Puis là, je vais genre me refaire un genre de dîner. Là. Dîner de genre, j'ai déjeuné vraiment tôt, fait que j'ai faim. Ça va être plus ça. Mon Dieu, qu'il fait noir. Fait que... ça je voulais, quand je vous dis qu'il fait noir chez nous là, ma cuisine est tellement sombre là, ça me fait capoter. J'ai la grosse fenêtre, j'ai la grosse porte patio, le soleil tape en dedans quasiment, mais il fait noir, ça gosse. Fait que c'est ça, j'ai parlé à ma belle-mère, puis la petite, la fille de son frère, dans le fond la fille de la cousine à Jérémy, elle est née. Je sais pas si c'est cette nuit, ce matin, je sais pas trop, mais en tout cas, sur la photo, elle avait l'air très fraîchement sortie, puis il faisait clair, fait que c'est comme ce matin. Elle est vraiment belle, ça n'a pas de sens, puis elle s'appelle Charlotte, fait que Zach trouvait ça bien drôle quand j'avais dit que Myriam attendait une petite Charlotte, parce qu'elle était comme, ben là, Charlotte, c'est un oiseau. J'étais comme, ben oui, mais c'est parce que, tu sais, il y a des gens qui donnent des noms d'humains à leurs animaux, puis c'est tout, tu sais. Genre que le chat à ma belle-mère s'appelle Agathe, là, tu sais, c'est des noms d'humains. Fait qu'en tout cas, ben, qui trouvait ça, il la comprenait pas trop. Mais finalement, il trouve ça bien cute comme nom, mais c'est ça, faut comme j'explique que c'était un nom d'humain avant d'être un nom d'oiseau. Fait que c'est ça. Puis c'est ça, elle est trop mignonne. Fait que je sais pas si à un moment donné on va aller la voir ou quoi que ce soit, là. Ça me ferait bien plaisir. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, je m'en allais manger un peu. Alors ça, je vais aller dans la douche, comme j'étais en train d'écouter une vidéo de Deux filles ordinaires. Puis après ça, je vais aller me laver, puis je vais partir d'ici. Ma belle-mère devrait être ici vers midi, fait que je vais partir d'ici vers midi 25, là, comme la dernière fois. Fait que voilà! Salut, il est rendu 11h25. Je suis allée dans la douche, je suis propre. Là, Jackson dort encore. Je viens d'aller porter des poubelles dehors. J'ai fini mon ménage. Pas mal. Puis, ça, ma belle-mère devrait arriver dans près d'une demi-heure. Puis, oh mon Dieu, j'ai soufflé. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai écouté. Ce matin, j'ai écouté des vidéos pas mal. Puis, ça, j'ai fait du ménage.
J'ai enfin monté des astiques de baccalauréat qui traînent dans le salon depuis genre 2 semaines que je suis plus capable de voir. Je les ai montés. Puis en tout cas, ça fait du bien de voir ma maison de même. Genre chose que personne ne voit jamais, ou presque. Non mais je suis bonne mais depuis une couple de jours là, ça... J'entretiens bien, je trouve ça le fun, ça fait du bien. Que tu sais, le soir... C'est sûr que le mec, tu sais, quand Zach arrive, ça commence à faire du bordel partout pis tout, mais il ramasse ses affaires quand je demande. Parce que... Sinon il les ramasserait pas puis là j'en aurais pour une trolley à tout le temps tout torcher. Mais c'est pas si pire, fait que quand il s'aide, quand il m'aide puis qu'il se ramasse. Mais c'est ça, fait que mon dieu les choses sont en train de se courir après. Il joue, fait que c'est ça. Wow ma fille, t'es donc bien grosse. Ah c'est tout hérissé le poil. Qu'est-ce que ma grosse fille? Ouais, ok. Ah, au moins je peux souffler, il me reste encore une demi-heure devant moi. Je suis pas pressée de rien. Ça va bien aller. Puis ça aujourd'hui, je suis chez le médecin. Je sais qu'elle va me donner ma requête pour mon deuxième test de diabète. Si je me trompe pas, c'est à 28 semaines. Ouais, ça voudrait que ce soit 26 parce que je suis à 25 semaines et... En ce moment, je suis à 25 semaines et 2 jours. Je pense plus que c'est à 28. Fait qu'il va falloir que j'aille faire mon test à l'hôpital, rendu là. Puis genre, je sais pas pourquoi, là. Mais comme... Cette clinique-là, sont vraiment... Je sais pas comment dire, mais... Comme, j'ai tellement l'impression que mes suivis de grossesse servent à rien, là. Genre, je trouve ça capoté. Ben, oui puis non, dans le sens... Dans le fond, je rentre, puis là, elle me demande comment je vais, puis tout, tu sais. Si j'ai des questions, des trucs de même. Puis le 3% j'en ai pas, tu sais. Puis, tu sais, là, mes papiers de préadmission à l'hôpital sont déjà remplis. Puis donnés. J'ai donné à mon dernier rendez-vous. Puis, quoi d'autre? Ouais, elle me demande comment je vais. S'il y a des trucs qui ont changé, genre, dans ma vie. Des trucs comme ça, je suis comme, bah non, tu sais. Alors ça, elle m'amène à en prendre impression. Elle me demande combien je pèse. Parce que... Genre, ben, tu sais, c'est toujours plus normal. Moi, je me pèse quand même, pas régulièrement, mais à peu près une fois par semaine. Puis, c'est ça. Fait que, en même temps, ben, je fais juste, tu sais, mon poids, fait qu'on sauve du temps. Comme là, ben, je me suis pesée avant d'aller dans la douche, mais, tu sais. Fait que, ben, fait, je me pèse, d'habitude, je me pèse toujours le matin, mais je me suis pesée, tu sais, j'avais comme mangé déjà 2 fois, là, en tout cas. Mais quand même, c'est genre, j'étais encore à comme. C'est quoi, 5 livres pris? Attends. Là, je serais genre à 7 livres de prix. Ouais. Mais genre, justement, j'avais déjà mangé. Fait que, en tout cas. Bref. Fait qu'elle me demande comment je pèse, après ma pression, mes trucs de même. Puis, elle, on écoute le cœur du bébé, puis genre, je m'en vais. Puis, c'est tout. Genre, les rendez-vous durent littéralement comme, mettons, 8 minutes, là. Puis, genre, je suis sortie de là. J'avais l'impression qu'avant, mes rendez-vous de suivi étaient plus longs que ça. Mais surtout, mec, à un moment donné, il va commencer à avoir des touchés vaginaux, pis tout, mais même là, tu sais, c'est pas avant, comme au moins, je sais pas, moi, 33, 34 semaines? Je sais pas. En tout cas, c'est pas tout de suite, ça, c'est sûr et certain. Fait que, c'est ça. Bref. C'est juste des rendez-vous que je trouve un peu inutiles, mais en même temps, ça fait du bien d'entendre le cœur du bébé, pis tout, mais en même temps, j'ai vu le bébé lundi, fait que... En tout cas, whatever. Fait que là, je vais prendre le petit temps que j'ai. Avant que ma belle-mère arrive, avant que Jackson se réveille. Puis, je vais écouter des vidéos, je vais aller sur Facebook, je sais pas ce que je vais faire. Mais je vais m'occuper, fait qu'on s'en parle tantôt. Allez, il est rendu 2h, je viens de mon rendez-vous. Puis, finalement, ma belle-mère est venue avec moi à mon rendez-vous. Dans le fond, elle s'en allait. Elle s'en allait habiller Jackson, genre. Puis elle était comme, bon, ben, tant qu'à rester ici, ça te dérange-tu qu'on vienne avec toi? J'étais comme, bah non, tu sais, tant qu'à ça. Jackson, il était un petit peu chiant. Chez le médecin, mais vraiment pas super. Fait qu'en revenant, on a arrêté au McDo. On est allé chercher un. Milkshake à la vanille. Fait que c'est ça, je viens de le finir. Fait qu'on a été chercher ça. Là, j'ai ma requête pour mon test de diabète. Faut que je fasse à 28 semaines. Fait qu'à 28 semaines, faut que j'appelle.
Puis, quoi d'autre, quoi d'autre? Ah ben là, vu qu'il annonce super beau samedi, j'aurais pensé que moi puis Jérémy, on serait allé magasiner des voitures. Mais genre, tu sais, moi je peux pas aller magasiner des autos avec Jay, genre avec Jackson, c'est impossible là. Fait que, c'est ça, mais là, ma belle-mère s'en va à Montréal dans le fond. Elle s'en va dans le vieux Montréal avec mon beau-frère puis ma belle-sœur. Fait que ça fait en sorte que, ben là, tu sais, j'aurais peut-être pensé à les porter comme les enfants, mettons, un après-midi, le temps qu'on aille faire ça. Mais là, elle sera pas là. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que Jérémy va y aller toute seule? Moi, je peux pas emmener Jackson là, c'est impossible. Est-ce qu'on attend une autre fin de semaine, qu'elle pourrait les prendre? En tout cas. Savoir ce que moi, ici, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, là, je connais personne. Fait que. T'sais, je me vois pas. Ben, je connais des gens, mais pas personne de que je sois assez proche pour faire comme all of nowhere, comme ah, oh, tu veux-tu garder mes enfants samedi, genre. T'sais, c'est comme. Je suis sûre que ça ferait plaisir. Mettons, t'sais, je pense à des gens, je sais que ça leur ferait plaisir, mais t'sais, je suis pas à l'aise à ce point-là avec eux autres pour leur demander ça, là, t'sais. En tout cas. Fait que c'est ça. J'aurais aimé ça, aller faire ça, parce que là, ben, t'sais, le beau temps, il va faire comme 14 degrés. Ça va être une journée parfaite pour faire ça. Mais là, ouais. En tout cas, je vais en parler avec Jérémy ce soir, voir ce qu'on fait, parce que c'est quand même comme samedi, puis là, on est jeudi, tu sais. Fait que. Ouais. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va penser de ça. Attention, bébé, avec ton verre, pour faire des dégâts. Lui, tout, il y a un milkshake, mais là, il promène comme s'il n'y avait pas de lendemain. Hein. Faire des méchants dégâts. Tiens ton verre droit, Jackson. Ça va faire des dégâts. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Je vais vous donner des nouvelles. Voir si on y va samedi ou pas. J'aimerais bien ça parce que. J'ai hâte de changer d'auto, là. Ben, c'est pas que j'ai hâte nécessairement. Tu sais, l'auto AG, elle nous convient encore pis tout. Mais. Je veux pas changer d'auto, genre, au mois de juin pis que. Tu sais, qu'on trouve pas ce qu'on veut pis qu'on fasse ça dernière minute pis que là, rendu là, ben, on a. Plus le temps, tu sais, je sais pas ce que vous comprenez. Tu sais, mettons, on check ça en juin, début juillet, puis là, finalement, on trouve rien qui nous convient, puis que là, fin juillet, ben finalement, pouf, on a toujours pas de voiture, tu sais. En tout cas, fait que. C'était mes plans pour la fin de semaine, là. À voir ce qui va se passer. Donc là, je vais attendre Zach, là. Il arrive dans. Ben, il arrive dans comme encore après, pas une heure, là, mais 50 minutes. Fait que je vais l'attendre, puis on va s'en parler plus tard. Regardez ça, je suis en train de couper ma salade. Il y avait une fucking coccinelle, le focus c'est pas. Checké. Dans ma salade. Puis là, je l'ai coupé en deux. Fait que là, ça veut dire à Jay, tu veux la manger pareil. C'est ça, fait que je lui ai demandé si vous la manger pareil la salade et il veut pas. Mais on a fait aussi des carottes là, sur le barbecue, fait que. Pas bien grave. Ouais. Fait que voilà! Une coccinelle dans ma salade. Dégueulasse. Bon matin. On est le lendemain, comme vous pouvez voir. Attends, Zach. Là, il est 6h50, puis je suis en train de me faire un café. Puis là, ben, comme je vous ai dit hier, ma belle-mère part demain à Montréal, là, dans le fond, aller voir mon beau-frère puis ma belle-sœur. Pis là, ben finalement, on n'ira pas voir d'auto. Parce que j'ai mis de travail. Puis pour ceux qui savent pas, demain, c'est genre la plus belle journée à date de l'année. Ici, en tout cas, il annonce comme 14 degrés, gros soleil, patati patata. Et je vais être poignée chez nous. Fait que ça me fait royalement chier. Vous avez même pas idée à quel point. C'est ça. Je sais pas quoi faire avec cette information. Je trouve ça écrissant. C'est ça. Désolée. Je suis en train de mettre de l'eau dans ma cafetière. Fait que, ouais, je sais plus quoi faire. Genre, je peux pas croire que je vais attendre qu'elle va aller chez nous demain. Genre, ça me rentre pas dans la tête.
Tu sais, il y a des. Mettons, Jim m'aurait dit ça genre dimanche qu'il travaillait. Où il annonce genre 35 à 40 mm de pluie. Ou what the fuck, à quel point il va mouiller. Il m'aurait dit ça pour dimanche, ça m'aurait pas dérangé. Mais pour samedi, ça me fait royalement chier. Pis t'sais, je veux pas genre aller. Je veux pas aller faire ma pitié à ma belle-mère pis qu'elle me dise genre ben viens avec nous à Montréal là, avec les deux gars là. T'sais, ça va genre. T'sais, mettons, mon beau-frère, ma belle-soeur s'attendent pas à avoir des enfants avec eux autres, fait qu'ils s'attendent à comme passer une belle journée tranquille pis tout, fait que s'il faut qu'ils gèrent des enfants, ça leur tentera zéro. Pis même là, t'sais, genre. T'sais, ça. Ils ont pas à subir ça pendant une journée de congé. Là. Fait que, en tout cas, déjà qu'ils sont venus la fin de semaine passée. Mais, ouais. Fait que, astique que je suis pas d'âme de ça, là. Oh, pis Jérémy, tu sais, il finit pas de travailler genre à 2h, il finit de travailler à 4h30, là. Il arrive ici, il est 5h10, genre. C'est tellement long, colique. Ah, oh, j'ai ça, là. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie comme ça, genre. Que je me suis pas sentie comme. Ok, genre. Tu sais, que je me sens pognée chez nous, puis que là, présentement, là, genre, je voudrais avoir ma voiture à moi tout seul, parce que souvent, c'est vraiment pas la fin du monde, là. Il y a des jours où, tu sais, mettons des semaines où je vois pas du tout ma belle-mère, ben là, des fois, je vais être comme, ok, j'aimerais sortir de chez nous cette semaine, tu sais. Fait que là, j'ai des fois, il dit, oh, faudrait que j'aille à la pharmacie, ça va prendre 5 minutes, mais il est comme, oh, tu viens de te chercher. Tu sais, il sait que ça va me faire du bien, même si je sors juste de chez nous 20 minutes, tu sais. Mais là, samedi, ça me fait royalement chier que je sois pognée ici, tu sais. En tout cas. Fait que je vais essayer de peut-être trouver une. Bon, peut-être pas une solution, mais il n'y a pas de solution à trouver, ce type-là. Je sais pas. Voir ce que je. Parce que dans les alentours, là, faut que vous sachiez que j'habite proche de plein d'affaires, mais comme en voiture. Tu sais, à la marche, c'est quand même une bonne marche. Puis, ben, toute seule avec deux enfants, j'irai pas n'importe où, tu sais. Que bref. Good morning. C'est ça. Donc, par contre, ça implique pour vous que je vais vlogger. Samedi. Ben demain en fait. Fait que là aujourd'hui on est vendredi, je ne vloguerai pas. Mais je vais. Ben je vais peut-être vloguer aujourd'hui à voir. Mais je vais vloguer samedi. Fait que vous allez avoir un vlog en ligne sûrement dimanche. Je risque de faire le montage samedi soir ou lundi ou plus tard. Puis c'est ça. Fait que pour vous, ben c'est bien le fun. Puis pour moi, c'est moins le fun. Fait que voilà. Donc moi là-dessus, je vais vous souhaiter une belle nuit. Puis on va se revoir bientôt. Bye!